tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo création, plutôt DIY, pas forcément, enfin, c'est un tuto sans être un tuto, c'est plutôt un DIY. On va utiliser, vous savez, les cloches de chez Action. Moi, j'avais pris ce kit-là. On va en faire une sur les deux, on va faire la plus grande. Et voilà, je vais la réaliser avec vous. Alors moi, par contre, je vais utiliser ce qu'il y a dedans, mais pas que. Je vais rajouter parce que... Moi personnellement, après ça c'est chacun ses goûts. Je trouve ça un peu vide, ça manque un peu de paillettes, un peu de choses comme ça. Donc je pense rajouter des choses, peut-être coloriser certaines petites choses. Enfin, vous allez voir tout au long de cette vidéo. Je vais sûrement rajouter de la neige dans le kit, il y a de la fausse neige comme ça. Je pense pas utiliser celle-ci, je pense utiliser une autre. Donc bah écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti pour cette vidéo. Alors on va commencer déjà par vous présenter ce que je vais utiliser. Donc je vais utiliser la plus grande cloche, donc le socle avec la cloche, le plus grand paysage en bois comme ceci entre guillemets, et donc c'est celui-ci là avec la petite maison et les deux sapins. Donc on va commencer déjà par enlever, découper entre guillemets toutes les petits embellissements en bois comme ceci. Alors, pour cela, il va vous falloir un cutter, comme ceci, un cutter de précision, puisque c'est attaché, je ne sais pas si vous allez le voir, par des petits bouts en bois. Donc, pour les enlever, il y a juste à passer votre cutter, voilà, et vous les détachez, vous y allez tout doucement. Là, vous voyez, il y en a un, j'en vois un là, juste là, là. Hop. Faut y aller vraiment doucement. Là ça va, mais quand c'est des petites choses un peu délicates, faut faire attention de pas tout casser, on va dire. Donc écoutez, ça je vais pas le faire à la caméra parce que sinon ça va durer, j'ai envie de vous dire, trois plombs. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais tout enlever, les petits embellissements en bois, et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai relié, enfin j'ai fini de faire la petite maison. Enfin non, j'ai pas fini, j'ai oublié de mettre la deuxième porte.
C'est pas, je ferai ça après. Là, en attendant, je voulais mettre de l'effet fausse neige. Donc, vous avez plusieurs produits. Hein. Vous avez en pot comme ça, neige structurée. Là, c'est celle de rayure. Vous avez plein de marques différentes. Ou moi, je l'ai aussi en un petit stylo Priscilla comme ça de chez Nelise. Alors, celle-là, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Horizon Créatif de l'année dernière. Je ne sais pas trop laquelle je vais utiliser. Bon, je vais utiliser celle-là. Même si celle-là, je l'aime bien. Elle est épaisse et tout. Mais elle n'a pas l'effet pailleté. Donc, je vais peut-être rajouter après des paillettes. On verra. Je vais voir. Mais c'est vrai qu'elle est plus facile à utiliser parce que bah, forcément, elle est précise. Je vais peut-être mettre un peu plus de temps. Mais parce qu'en fait, je voudrais qu'il n'y en ait pas dans les interstices. Ouais, c'est vrai que je vais peut-être mettre un peu plus de temps. Parce que bon. Mais je vais vous montrer, vous allez voir, elle brille pas celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle est très structurée. Comme ceci. Très épaisse. Mais elle ne brille pas. Donc je rajouterai peut-être des paillettes. Pour que ça soit plus sympa, plus joli, on va dire. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Voilà, je voulais juste vous montrer. Je vais en mettre sur toute la base, sauf dans les trous, bien sûr, pour pouvoir passer le reste de mes décos. Mais voilà, je vais en mettre sur toute la base. Voilà, pour que ça fasse quand même plus joli et un effet neigeux. Voilà, du coup, j'ai terminé mon petit socle. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai rajouté des paillettes. Alors les paillettes que j'ai utilisées, c'est des paillettes Nuvo comme ceci. Voilà. Parce que moi j'aime bien l'effet pailleté. Donc hop, pour le thème neige. Et puis sur la maison, je vais mettre aussi un peu l'effet paillette. Enfin l'effet paillette, l'effet un peu fausse neige. Mais je ne vais pas utiliser celle-là. Je vais utiliser Crafter Compagnon, là, la Glitter Glue de Sparkling Ice pour faire un petit effet, un peu effet glacé. Donc, je ne vais pas en mettre partout, hein. Je vais en mettre là, surtout sur les rebords, là. Ça fait un peu des, j'allais dire des stalactites, mais voilà, un effet glacé. Je vais en mettre aussi un peu, je pense, sur les sapins. Hop, j'ai l'impression que mon truc, il est bouché, un peu bouché. Non, c'est bon, ça y est. C'est moi qui sais peut-être pas appuyer trop bien. Hop, je vais en mettre sur les deux côtés. Je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Bon, là, c'est pas sec, il hein, faut laisser sécher. Je vous montrerai une fois sec. Donc, je vais en mettre sur ce côté-là. Et je pensais en mettre aussi un peu sur le toit, là. Vous voyez? Un peu là, sur le bord. J'en mettre un petit peu par-ci par-là pour voir un effet un peu glacé. Voilà, donc je finis hors caméra et je vous retrouve. Le temps que du coup le reste sèche, je voulais décorer un peu, vous savez, le socle de la cloche et je voulais mettre un petit fond de couleur or. Voilà, donc j'utilise la. Ouh! J'ai failli tout faire tomber. C'est de la Sparks de chez Prima. C'est la couleur coffre d'or. Et je suis en train de en mettre partout. C'est pas grave. Et en fait, ça fait un peu une couleur un peu foncée. Mais vous avez les petites paillettes or qui ressortent. Alors à la caméra, je suis pas sûre que vous allez bien voir. Bon, vous allez peut-être rien voir du tout. J'avais hésité de mettre un ruban couleur or, mais au niveau de la largeur, j'avais pas ce qu'il fallait. Enfin, j'en avais un, mais je trouve qu'il dépassait un peu trop. Donc j'ai dit non, je vais peindre. Ça fait assez discret, mais écoutez, c'est pas mal. Le côté or, en fait, ressort plutôt bien. Et c'est ce que je voulais. Hop.
Hop, je finis avec vous parce que là j'ai fini. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Bon, je pense que vous voyez pas grand chose. Je laisse sécher et puis bah je vous reprends juste après. Voilà, je suis venue coller le socle. Alors je bouge pas trop parce que c'est pas sec sur l'autre socle. Je l'ai collé avec de la colle. J'ai pas fait avec la colle chaude parce que bon, je voulais pas que ça fasse une surépaisseur en fait. Donc là, je vais mettre un petit embellissement étoile comme ceci. Je vais le mettre sur le gros sapin là. Alors c'est pas facile à vous montrer du coup. Donc on va se mettre comme ça. Alors ça, je vais le coller avec le pistolet à colle chaude. Hop. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je vais peut-être venir coller parce que ma maison n'est pas tout à fait sèche. Je vais peut-être la venir après la coller. Je vais mettre le petit lampadaire qui normalement est censé se mettre là. Alors, vu que mon socle n'est pas tout à fait sec, je vais faire attention de ne pas tout enlever. Voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre un peu, mais ça va, ça se rebouge. Voilà. Et ensuite, c'est la maison qui va venir se mettre, mais je vais attendre un peu parce que la maison n'est pas tout à fait sèche. Le lampadaire, je ne sais pas si je mets pas un petit peu de paillettes dessus. Peut-être sur juste le petit bout là. Je ferai peut-être des petites finitions. Je mettrai peut-être des petites paillettes là sur le haut. Mais sinon, là, je vais pouvoir après venir mettre la maison qui va aller juste ici. Il me reste à coller, j'ai oublié de coller la porte, finir la cheminée. Et il y a un petit flocon que je vais venir poser sur le gros sapin pour le décorer un peu. Que ça fasse un peu plus de dimension. Donc, quoique je peux peut-être la coller la maison, même si elle n'est pas sèche. Je vais peut-être coller la porte tout de suite. Hop. Vous voyez, j'ai les mains encore un peu blanches parce que le socle là n'est pas tout à fait sec. Il faut attendre un petit peu, hein. Là, il me manquait à mettre une porte. Donc, je vais la mettre tout de suite. C'était la porte de derrière que j'avais oublié de mettre. Voilà. Et on va venir coller la maison là. Alors moi là, je vais la coller. Parce que je voudrais la décaler un tout petit peu. Donc je vais venir la coller. Ouais, j'ai pas envie de tout enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu que ça sèche un peu plus. Et puis je vais venir la coller juste ici. Voilà, du coup c'est bon. J'ai terminé de tout coller. Donc vous voyez, ça donne ceci. Donc je vais juste fignoler un petit peu en remettant un peu d'effet glacé sur le petit flocon. La même. Oh là bah, j'en ai mis beaucoup là. C'est pas très grave. Hop. On va fignoler un petit peu. Moi j'aime bien quand ça brille. Voilà, on va en mettre un peu sur l'effet comme ceci. Voilà. Et un petit peu sur le lampadaire. Voilà. Je pense pas que je vais en rajouter plus. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ah bah je voulais rajouter pour faire des effets un peu fausses boules là, des petits demi-perles ou des petits strass, mais finalement j'ai peur que ça fasse trop. Donc du coup je pense que je vais laisser comme ça. De derrière, ça donne ça, mais de toute façon. Ouais, si j'aime bien quand c'est fini, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. Donc là, c'est surtout qu'on voit un peu le sapin. Généralement, on ne regarde pas l'arrière, on le met que dans une position. Mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est
c'est fini, vraiment, qu'il y ait des finitions en fait. Quand on garde tous les côtés, vraiment, qu'il y ait des petits détails partout. Alors, c'est peut-être mon côté perfectionniste, hein, peut-être. Je sais qu'on regarde pas forcément le derrière, mais bon. Hop, on va mettre un petit peu là pour que ça se voit. Hop. Et voilà, je pense pas que je vais en rajouter plus. Du coup, maintenant, on va pouvoir mettre la cloche en verre. Enfin, plastique là. Hop. Alors, ce que je vais faire avant de la mettre, soit vous la collez pas, vous pouvez ne pas la coller. Moi, je vais mettre quand même un fin filet de colle là dans un petit interstice là. Après, vous n'êtes pas obligé de la coller. Hein. Ça tient très bien comme ça. Mais voilà, moi, j'ai envie de la maintenir un petit peu. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est parce que moi, je veux le faire. Hop, voilà. Et on la met. On y va délicatement hein, parce que... Hop. Je vais rester appuyé un petit peu le temps que la colle prenne. C'est une colle qui devient transparente au séchage, hein, donc pas de panique. Donc je vais attendre juste un peu que ça finisse de coller. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas facile à vous montrer comme ceci. Ça brille de partout. C'est ce que je voulais. Par contre, je me tâte à rajouter quelque chose là-dessus. Donc, c'était pas prévu, mais je pense que je vais rajouter un nœud là-haut. Je vais vraiment le poser comme ceci. Pour pas que ça cache de trop. Mais voilà, je trouve que ça ferait plus joli, ça ferait plus habillé. Donc, je vais le coller au pistolet à colle chaude. Je vais essayer de pas trop en mettre de trop. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, hop. Donc là, vous voyez les bords. Vous voyez mieux là la lumière en couleur or pailleté. Et puis l'intérieur est comme ceci. Et du coup, j'ai rajouté le nœud. Voilà, pour faire un peu plus joli. Je suis désolée, j'ai mis la luminosité artificielle parce qu'il commence. Bah, il fait nuit, hein, c'est la fin de soirée. Mais voilà, vous voyez bien, ça brille de partout. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les petites cloches de chez Action, tout en gardant le petit décor en bois que eux ils ont mis et en rajoutant quelques petites choses personnelles. Voilà, je trouve ça très mignon. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à partager, à liker. Et moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. À bientôt!